Colonel, j'ai trouvé le sergent Foster. Elle rentre au camp. Au travail, caporal. Merci, mon colonel. J'appellerai plus tard pour prendre des nouvelles. Terminé. Actes héroïques et votre courage dans son rapport. Vous avez fait forte impression. Je vous remercie, mon colonel. C'est une battante. On se bat tous pour notre survie, non? Oui, colonel. Terminé. Ouais, un injecteur du Nero. Est-ce qu'il marche encore? Oh, coup de boost. Ouais, c'est bon, on trouve service demain. J'ai vérifié le tableau. Et vous? Ouais, le commandant m'a assigné 4 jours d'affilée. Vous savez s'il a le droit de faire ça? Ah ouais, il a fait ça? Ouais. Ben alors, il doit avoir le droit. On a du pain sur la planche et pas beaucoup de temps. Ouais, je comprends bien. Mais merde, Doc, quand même. Sauf que ma vie. Pas encore assez. Ça, c'est dans les pauvres cœurs, dans vos bons cœurs, je fais. Oh, pauvre chéri. C'est un seul sentier. C'est des violeurs et des assassins. Il doit être là, pas loin. Thank you.
espèce d'enfoiré. Où tu vas comme ça, hein? S'ils avaient un bunker souterrain dans les parages. C'est quoi ça? Une carte? Des notes? Impeccable. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment Fab... Ok, pas mal.
J'espère que c'est assez haut. Boozer, c'est Deacon. Réponds. Candlos Lake, y'a quelqu'un? Vic? Vic, c'est toi? Je t'entends à peine. La réception est pourrie. Où t'es fourré, hein? Je suis au sud de Crater Lake, figure-toi, et... Je suis content de te rentendre, mon pote. Je me disais que t'étais peut-être en train de rentrer. Non, Boozer, pas encore. C'est compliqué. Je voulais juste... prendre des nouvelles. Savoir si tout allait bien. Ouais, ça va, Dick. Ça va très bien, même. Tu ne devineras jamais qui a été promu chef de la sécurité. Quoi, toi? Ouais. Mike a sûrement dû dire qu'avec un seul bras, je foutrais moitié moins la merde. Ouais, bon, comme je t'ai dit, je voulais juste avoir des nouvelles. Ouais, ça m'a fait plaisir de t'entendre, mon vieux. Ouais, pareil. John, vous êtes là? Ouais, Weaver, je suis là. Hé, hey, appelez-moi Jim. Écoutez, je vous ai jamais remercié de m'avoir donné un coup. Ah, c'est rien. Je vais qu'obéir aux ordres. Eh ben, je vous remercie quand même. Et j'apprécie vraiment que vous risquiez votre vie dans le No Man's Land pour ma pomme. Et il faut que je vous dise, le napalm est presque au point. On aura bientôt besoin de vous pour le tester. Ouais, pas de soucis, Weaver. Jim, comptez sur moi, terminé.
Je trouve le moyen d'entrer. Y a un truc pas loin. Elle se vide de son sang. C'était quoi ce bruit ?
mieux. Je vais pas te rater. Juste parler. Toi. Tu l'as. Taylor. Deacon St. John. Comment ça va, Taylor? J'ai merdé, mec. Je voulais pas le tuer, putain. Il devait pas être là. Le doc était un chic type. Putain, il m'a aidé, bordel, il m'a aidé. Allez, lève-toi. Non. Je veux pas finir au bout d'une corde. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Non, pas la corde. Hé, écoute-moi, Taylor. Taylor. Tu te balances en pissant dessus pendant que tous ces connards regardent à vous se foutent de ta gueule. Ils se foutent de toi. Ils se foutent de toi. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Pitié. Les laisse pas me pendre.
Merde. Pitié. Ok, Wade. Saint John. Je suis là. Overdose. Putain de merde. Sortez le corps de là. On laisse jamais un cadavre au mutant. Peu importe. Le crime qu'il a commis. Je peux déjà vous dire que le colonel va être furieux. Alors ? On l'a trouvé. Il était déjà mort. Overdose. On a l'essentiel des médicaments, mais pas tout. Comme si le monde n'était pas suffisamment corrompu et putride. Comme si le monde n'était pas déjà rempli de créatures décérébrées et dénuées d'âme. Rapportez ça à l'infirmerie. Mais cette fois, ne nommez pas un junkie à ce foutu poste. Oui, chef.